faisait par une grande bande. Il y a hausse des prix partout, il y a l'agitation au marché, nous ne vivons pas bien. Nous, les Kassaïens, nous ne voulons pas ce que les rebelles entrent ici en Bouchimay. Dès qu'ils entrent, c'est pour empêcher notre trafic de diamants. On n'aura pas de possibilité d'aller vendre à Kinshasa les diamants et la famine va aussi attaquer le peuple kassaïen. Kinshasa. Tetu kwamba ni balunda aba mbaba mwekeriso. Mais ce que l'opinion nationale et internationale doit savoir, c'est que la société civile entreprendra toujours un lobbying pour sauvegarder la souveraineté de notre pays. Elle n'acceptera jamais la balkanisation de la République démocratique du Congo. Si. Nous ne voulons pas avoir la guerre, puisque pendant la guerre il y a la destruction et puis ce n'est pas bien. Nous voulons assez que ces gens-là puissent quand même s'entendre et tirer un compromis à partir de là. Démocratique du Congo et le président Museveni à Sirte. L'ennemi a des calculs sur notre richesse. Ainsi, ils font tout, malgré la signature du cessez-le-feu, ils font tout pour atteindre Mbujimayi. Mais de toutes les façons, le peuple est déjà uni ici, le peuple est déjà mûr, le peuple a déjà compris qu'il faut absolument, absolument défendre l'intérêt de la province, défendre et soutenir Mousé Laurent Désiré Kabila. Se souvient. Vous êtes informé des travaux de Lusaka sur l'éventuel cessez-le-feu. Amen.